Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Deborah Jennings pour une capsule pleine conscience. Aujourd'hui, mon thème, mon sujet, choisissez argent ou richesse divine. Donc, on va s'amuser un peu aujourd'hui avec ça. Et c'est des questions souvent qu'on se pose ou des choses, on s'interroge hein, si on gagnait à la loterie, si on gagnait le gros lot, si je gagnais 1 000 000 $, 2 000 000 $, qu'est-ce que je ferais avec ça? Donc, je vais commencer avec ça, l'argent, l'aspect financier de nos vies humaines. Si aujourd'hui, vous deviez choisir entre 1 million, 2 millions, 3 si vous voulez, et la richesse divine, quel serait votre choix? Donc, avant, on aimerait bien savoir qu'est-ce que c'est que la richesse divine. Donc, on va élaborer un peu là-dessus. On vous dit aujourd'hui, choisis 3 000 000 $ très intéressant et réglerait probablement plusieurs de vos soucis ou de différentes choses ou réaliserait sûrement plusieurs de vos rêves. Mais l'argent fait partie des créations de la divinité, ça en fait partie, c'est des choses que les humains ont inventées, comme nous sommes des êtres créateurs, bien, ça fait une création divine si on veut, c'est de l'énergie en tout premier lieu. Mais la richesse divine, si on va vous rendre ça plus simple pour commencer, si je vous dis aujourd'hui je te donne 3 000 000 $ ou je te donne la possibilité de vivre pour le reste de ta vie et à jamais, en paix totale et dans la joie. Que choisis-tu? C'est sûr que pour répondre à une question comme celle-là, c'est sûr que les gens qui connaissent les lois spirituelles, la loi d'attraction, les lois divines, vont pencher possiblement vers la richesse divine. Pourquoi? Parce que si vous êtes en paix, en tout temps, à l'intérieur de vous. Donc, plus de dualité avec l'ego, une petite voix qui nous dit toujours « Ah, fais pas ci, ah, fais pas ça, on est tout mêlé. » Tout ça, ça n'existe plus. On est toujours en paix, toujours dans l'instant présent, avec un sentiment de joie profonde. C'est le cadeau que l'univers vous donne. Vous choisissez entre un gros lot de 3 000 000 $ ou un gros lot de paix éternelle, de joie éternelle. Que choisissez-vous? Donc, la richesse divine vous offre la possibilité de vivre toutes les vibrations essentielles, nécessaires à attirer tout ce que vous souhaitez, y compris l'argent. Donc, je pense que le choix est clair. L'argent, quoique très utile et très important dans nos vies, dans le monde dans lequel on vit, n'achète pas la santé. Je sais que tout le monde en parle, mais on ne s'arrête pas à réfléchir dans la profondeur. Ça n'achète pas l'amour, l'amour vrai. Ça n'achète pas l'amitié. Ça n'achète pas la créativité. Donc, si on vous offre aujourd'hui de recevoir en vous la paix profonde, la joie profonde, l'amour en vous, c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Il n'y a pas de plus gros lot au monde que la paix en soi. Pourquoi? En vertu de la loi d'attraction, vous attirez ce que vous ressentez. Donc, en portant en vous la paix, la joie, le bonheur, la gratitude, l'amour, vous allez attirer de belles relations, vous allez être bien avec vous-même. Vous allez attirer l'abondance à tous les niveaux. L'abondance n'est pas juste monétaire. Hein? L'abondance de relations heureuses, harmonieuses, l'abondance, c'est très, très large. Et vous allez être en paix tout le temps. Quel merveilleux cadeau gros lot! Bonne nouvelle! Personne ne peut vous donner ça. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que vous avez le loisir de générer ces énergies vous-même. Donc, pas besoin d'attendre que quelqu'un vous le donne. On ne peut pas donner la paix à quelqu'un. On ne peut pas donner la joie. On peut participer à la joie, on peut participer à la paix, mais on ne peut pas installer la paix, la joie, le bonheur à l'intérieur de quelqu'un. On en a souvent parlé. Donc,
vous pouvez aujourd'hui vous déclarer gagnant du gros lot divin. Pourquoi? Parce qu'à partir de vos pensées, à partir de votre vision de la vie, vous pouvez installer cet état de paix en vous, cet état de joie, cet état d'amour, cet état de gratitude. Vous pouvez générer ça malgré tout ce qui vous entoure, même si vous êtes dans des difficultés extrêmes, rien ne vous empêche d'installer de la joie en vous. Pensez à quelque chose de joyeux, pensez à quelque chose, pensez à un lac paisible. Vous allez avec le temps installer une paix. Allez vous asseoir tranquille à l'extérieur, dans la nature ou simplement dans votre salon, tranquille. Juste fermez les yeux, d'être en contact avec vous, vous pouvez installer la paix. Installez la gratitude. Pensez à tout ce que vous êtes, à toutes vos qualités. Installez l'amour. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? L'amour, souvent on dit amour, on pense amoureux. Mais l'amour de peut-être de votre métier, l'amour que vous avez pour vos enfants, pour votre conjoint évidemment, mais l'amour de tout ce qui est là. L'amour, c'est extrêmement large et c'est dans tout. Donc, choisissez entre l'argent et la richesse divine. Donc, l'argent, rappelez-vous, fait partie de la richesse divine. Tandis que la richesse divine, qui a comme base la paix, l'amour, la joie, ne fait pas partie nécessairement de ce qui vient avec l'argent. Donc, on ne dénigre pas l'argent, c'est une énergie. Et notre mode de fonctionnement, pour l'instant sur Terre, on en a besoin. Mais si vous voulez vraiment en avoir plus, installez la richesse divine en vous. Des états de bien-être, des états de bonheur. Si vous choisissez cette richesse, toutes les autres sortes de richesses viendront à vous. Alors, c'était la conscientisation que je voulais vous amener aujourd'hui, parce que je sais que plusieurs humains, puis on passe tout par là, à un certain moment donné, oh, si j'avais tellement d'argent, je pourrais régler ça, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Mais vous savez comme moi que les plus gros défis de la vie ne se règlent pas nécessairement avec l'argent. Donc, oui, on en veut, oui, on en a besoin. Si nous choisissions tous la richesse divine, nous serions tous riches financièrement aussi. Donc, misons sur le gros lot qui est déjà en nous. Avec la puissance de votre pensée, vous pouvez vous faire des scénarios de paix, de bonheur, de joie, même si vos conditions de vie actuelles sont difficiles. Personne ne peut vous voler votre imagination. Et la loi d'attraction fonctionne avec l'imagination et le sentiment, bien sûr. Donc, si vous rêvez à des choses extraordinaires, que vous êtes bien, vous générez le sentiment, la vibration en vous et vous êtes en mode attraction de tout ce qu'il y a de merveilleux dans la vie. Alors, désormais, choisissez la richesse divine, le gros lot divin et tous les autres suivront. Bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.